Du côté de Saint-Mila pour aller essayer d'aider en fait les gens à s'approvisionner en eau potable. Donc actuellement bon, il y a un ancien puits qui a disposé il y a quelques années, c'est pour ça qu'il récupère l'eau pour l'amener dans les maisons. Et le but en fait c'est d'amener l'augmentation de l'eau sur le château d'eau et de château d'eau aller disperser dans toutes les maisons l'eau via des canalisations. Donc on va le faire en plusieurs étapes. La première étape, c'est alimenter le puits et la pompe avec de l'électricité via panneaux solaires. Ce puits-là va alimenter plusieurs châteaux d'eau et les différents châteaux d'eau vont alimenter les différentes maisons et ça correspondra à peu près une centaine de maisons. Qui a été construit avec une profondeur à peu près de 200 mètres. Je crois que la pompe atteint les 180 mètres, si je me souviens bien. C'est dans la communauté de Igourden. Elle est entourée de deux châteaux d'eau. On va vous montrer les vidéos tout à l'heure des châteaux d'eau. Donc en fait, ce puits-là va servir à alimenter les châteaux d'eau et puis des châteaux d'eau vers les maisons. Voilà, c'est ça le principe définitif. Donc dans un premier temps, il faudrait amener des canalisations jusqu'au château d'eau. Ils sont quand même assez éloignés. Et puis des châteaux d'eau vers les maisons. Voilà. Alimenter une partie en fait du village avec les deux autres châteaux. Donc le principe, comme je l'ai expliqué là tout à l'heure, c'est l'alimentation en électricité de la pompe qui est dans le puits, qui va alimenter en eau les châteaux qui après vont alimenter les maisons.